Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 18e épisode de mon Let's Play sur la saison 2 de Mount & Blade Warband. Je crois que j'ai mis dans le mauvais sens, mais c'est pas très grave. Donc la dernière fois on avait récupéré pas mal d'unités parce qu'on s'était fait. On était tombé à 2. Voilà, on a récupéré plein d'unités. Et donc maintenant il faut les réentraîner parce que pour l'instant on a des recrues un peu partout, voilà, des hommes du clan Rodok, on en a plein. Non, c'est pour l'instant c'est la galère totale. Donc direction le camp d'entraînement pour récupérer un petit peu de. Enfin pour entraîner un peu nos unités. Parce que là, ça craint. Genre bien. Alors, parler avec le mentor. Alors. Eh oh! Quand même. Ah mais c'était un combattant aguerri. Je comprends mieux. Et boum. Je commence à faire très bobo en fait aux gens. Voilà. J'aime pas les armes d'Ast, mais il faut croire que ça va quand même assez vite. Voilà. Ah non, mais en fait j'ai déjà réussi donc ça sert à rien. Oh non, mais en fait ça sert à rien ici. Bon bah du coup, allez hop, on va aller au front. Hein. On va aller au front en passant par Vedar. Voir si on peut pas recruter d'autres personnes. Et voir si on peut pas aller piller l'Inia. Non, mais l'Inia ça va pas être possible. Piller un village histoire de se remettre dans le bain. Parce que là, ça craint. Des recrues soidiennes. 65 sur 68. Bon, on peut encore recruter 3 personnes, mais pas 3 personnes qui m'inquiètent. Donc là, reste à trouver, genre, je sais pas, un seigneur avec 30 gugus, comme celui qui a failli nous défoncer, qui nous a défoncé, pardon. Aha, ici c'est assiégé. Peut-être que si on peut faire. Allez, on va essayer de faire le siège. On va essayer de faire le siège, si je peux me choper. D'accord. Avez-vous une tâche quelconque? Ok, donc le roi. Il est où le roi? Il est là. Ok, pas de tâche. Comment avance la guerre? Ouais, c'est vrai que la guerre pour l'instant. Non, je cherche pas à rentrer dans Suno, je veux juste camper à côté. Jusqu'à ce qu'il attaque en fait. Asgard a récupéré. Enfin non, Roi Gravette a récupéré Asgard. Allez, j'aimerais qu'on l'attaque là. Bon, c'est bon le siège? On peut y aller? Eh oh! Là, on fait qu'attendre. Hein. Qu'est-ce qu'ils foutent? On y va, non?
Alors attendez, compte Guerluche. Alors, ça c'est bon. On va attendre ici. Commandant. Ok. Bon bah allons-y, hein, rejoindre le prochain assaut. Ah bah, hey, ils ont été intelligents. Ils ont mis deux échelles. Bon, maintenant il faut arriver à passer les deux échelles. Non mais, ils sont sérieux les gens. Les mecs, il y a deux échelles. Ah, vous faites ça? Non mais, il est sérieux lui. Mais pousse-toi. Je sens que je vais faire un meurtre. Oh la vache, Catherine. Oh oh, moi je vais m'occuper de cela. Comme celui-là. Voilà. Pour l'instant, nous on a deux blessés. Ah, j'aime pas quand... C'est n'importe quoi! Laissez-moi taper! Je voudrais taper! Ah voilà! Et du coup là je vais me faire gangbang. Non, je peux passer par là en fait. Poussez-vous. Bande de prostituées bulgares. Bon, on va passer par là alors. Ouais non, mauvaise idée. Très mauvaise idée. Voilà, c'est pour ça que c'est une mauvaise idée. Il y a encore des gens là. Attendez, je vais éliminer ceux qui sont tout là-bas parce que je commence à chercher des crosses à tout le monde. Quoi? D'où tu sors? Voilà, tiens. Bon, ça c'est bon. Ça c'est bon, enfin c'est son 84 morts. Je vais nous faire un quadruplé quinté écarté plus. Allez, sauf que là il y a une autre vague. Et sinon nous on n'a pas de renfort. Tellement chaud. Ah bah si, quand même des renforts, parce que là on n'avait plus personne. Tellement plus personne qu'il a fallu que je me débrouille tout seul, presque. Ah, c'est quand même des batailles épiques. Hein. Et mais... C'est quoi cette IA qui a pas pris en compte qu'il y a un joueur? C'est à la limite du ridicule. Bon, bah ça y est, ça au moins on a gagné. De tuer 5 blessés contre... Allez, on attaque dans le bourg maintenant.
Ah non, oui. Faut quand même que je prenne mon arbre. Voilà. Je crois que j'en ai bien là-haut. Allez, viens là. Chaud. Allez. Pff, chaud. Allez, on a pris Suno, quoi. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très, très cool. Du coup... Voilà. Ok. Alors, il est au compte Garluche, il avait besoin de mon aide. Un volontaire pour partir en reconnaissance dans la zone. Dans la zone où ça? Riblay, château de Riblay. C'est d'ailleurs. Garluche. Ok, d'accord, mais le jour où j'aurai un fief, vous m'appellerez, hein, parce que c'est pas sympa. Donc, faut que j'aille éclaireur India, Ribellette et Château de Ribellette. Alors, c'est où? L'India, c'est par ici, Ribellette, c'est là-bas, en fait. Alors, Château de Ribellette... Après, faudra que je trouve le compte machin. Guerluche, le maréchal. Donc alors, clairement, Suno est rayé de la carte. Ça va être très drôle. Oh la vache, ce qu'on a piqué au orange. C'est assez monstrueux. Alors, qu'est-ce qu'il y a au château de Ribellette? Armée de Sierregas. En train d'être pillé. Ok. Quête réussie. Parler au comte Guerluche. Maintenant, le tout, c'est de le retrouver. Ah, il est peut-être par là. Comte Guerluche. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller... Ah bah voilà, ça a commencé à redonner quelque chose. Non, mais je voudrais recevoir le fief de Suno. Non. Il m'a fini une quête. D'accord, on va suivre l'armée. Suivons l'armée dans ce cas-là. Guerluche a besoin de moi. Allez hop, Guerluche, j'ai besoin de toi. Enfin, t'as besoin de moi. On y va. Du bétail. Ben désolé, mais le bétail, je vais pas le chercher. Non, mais je voudrais le fief de Suno, moi. Oh,
Oh, ils sont pas sérieux là. Je voudrais le fief de Sunu. Ils sont sérieux. Bon alors. On va camper en attendant vu qu'ils achètent le... Non. On va camper. On va assiéger le château et là on va choper le château. Hein, comme ça on aura Ribelet. Alors attendez. Non. Personne qui veut entacher ses relations avec le comte machin là. Il est où? Guerlu. Mais je peux pas faire les têtes de bétail, j'en ai rien à foutre en fait. Patrouille. Ah! Allez, château de Ribelet. Là par contre, ça va être chaud. On est à combien contre combien? 30 contre 42, donc déjà ils ont plus de gugus que nous. Et s'ils se mettent pas à couvert, ça va pas être drôle. Tire la tête! Je crois que je tire trop. Bon, alors là, c'est un peu n'importe quoi. Attendez. On est encore super loin, en fait. Vous êtes sûr que ça va pas plus vite si on se met pas à plusieurs pour pousser, là, plutôt que... Juste moi. Il est avec moi, lui. Bah, elle. Bon voilà, assommé. Aïe. Ok, moi je vais me cacher parce que là je me fais tirer dessus. Et je vais me préparer. Il y en a qui ont des flèches plein les jambes. Allez, on y est presque. Ils ont des boucliers pleins de flèches quoi. Ah ça y est, ce qui devait arriver arriva. Comté Trosk et Roi Gravette, ils vont se faire défoncer. Moi j'ai 3 blessés, il y en a 7 actifs. Voilà, évidemment, le roi et le comte, ils se sont fait assommer. En même temps, bande d'abrutis, c'était pas comme ça. Allez go! C'est là qu'on va s'amuser. Par contre, tirez pas des flèches maintenant. C'est genre pas possible ça. Laissez-moi passer! Voilà, attendez, ça fait un peu nauséeux. Mais là, il faut que je fasse le vide. Voilà. Allez! Tu ressembles à Ragnar Lodbrok, mais tu t'es fait défoncer. Ok, là, v'là du monde.
Non pas Vladimir, Vlad du monde. Et non, c'est pas le moment. Je parle à ma montre. Tout à fait normal. Je suis en train de me faire masse d'XP. Aïe. De nouveaux ennemis sont arrivés. Le truc c'est que là, j'ai vraiment plus beaucoup de vie. Allez, on descend. Là, il y avait un mec qui criait en buguant. C'était bizarre. Allez. Il en reste encore? Oh mais mon dieu, mais ils sont combien? Encore? Ok, nous on a un mort, ça va. C'est genre tellement violent. Aïe! On va passer devant. Parce que là je me prends un coup, je suis mort. Non! J'ai assommé par un tirailleur de merde. Un tué, 9 blessés. Oh non, faut recommencer. Oh là 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 là. Je sais pas, faites quelque chose, mais cachez-vous. Mais... C'est ridicule là. Vous me faites pleurer. Bon, ma technique en archerie aussi fait pleurer, mais ça, faut pas le dire. Sinon, voilà, les mecs qui tirent pas, ils peuvent se ranger ici, je sais pas, ou faire quelque chose, mais là, ils se prennent des tonches, et ils sont en train de crever comme des idiots. Ouais, mais c'est tout un art, je pense, de coder une IA. Oh là là. Coucou, toi t'es à moi et tu vas éviter de crever, donc tu te caches ici. Toi t'es encore plus con, t'as pas d'a... Mais quel abruti quoi. Il a pas de bouclier, il se fout sous le feu ennemi quoi. N'importe quoi. Moi j'ai pas beaucoup de vie non plus. Donc be careful. J'arrive même plus à tirer. Niveau balistique, c'est pas encore ça. C'est même pas ça du tout. Bon, alors j'ai un mort évidemment. Ça me disait que ça. Oh là, excusez-moi. Ouh, ça vient de me défoncer la gorge. Je vous dis pas devant mon écran, je suis en train de pleurer là. Allez, on est reparti. C'est pas parce que je suis malade dans la vraie vie que je vais être malade dans le jeu. En fait, j'étais persuadé qu'on en avait buté suffisamment dans le... Dans la première partie pour pas avoir de problème. Allez, on peut y aller. Il
Ouais. Allez, go! Je sais pas... attaquer, parce que là, pour l'instant, tout ce coup... Mais arrêtez de tirer! Bande d'abrutis! Voilà, tout simplement, pour éviter cette position-là. Pour éviter juste ça. Arrêtez de tirer! Avancez! Des renforts sont arrivés. Non mais arrêtez de tirer! Genre, tirer, c'est pas une option. Enfin, c'est... Enfin, voilà, ça y est, j'ai été assommé. Mais quelle bande de crétins! Pff. 5 tués, 3 blessés chez moi. 4 tués, 3 blessés. Aucune perte. Aucune perte. Aucune perte. Ça y est, on l'a eu. Oh la vache, t'es blessé, tout ce que vous voulez. Ok. Bon, ben finalement, j'ai encore monté de niveau. Niveau 18! Niveau 18, intelligence. Hop, on a 2 points à mettre. Et là, ça par contre, ça va être intéressant. Il faut que je mette des points en premier secours. Ouais, ça peut être pas mal. Et en. Et en chirurgie. Je sais pas trop. Persuasion, ça peut être pas mal, persuasion, étant donné que je voudrais avoir des fiefs. Voilà. Bon, bah ça y est, on a réussi ce siège. On a fait plusieurs sièges dans cet épisode. D'ailleurs, l'épisode va être un peu long, j'en suis désolé. En tout cas, c'était intense. C'était plutôt intense avec beaucoup, beaucoup de bastons. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très cool, même si l'IA a tendance à faire un peu n'importe quoi, surtout dans les sièges de Sato. C'est difficile à dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis à la prochaine. Salut à tous!